Mesdames, messieurs, bonsoir. Profitez de ces prochaines journées qui s'annoncent plutôt ensoleillées avant une nette baisse des températures attendues à partir de vendredi. Alors aujourd'hui, le ciel est un petit peu plus couvert dans l'est de la France avec quelques gouttes vers la plaine d'Alsace, un léger voile vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur et le soleil a dominé au cours de la matinée, notamment en Île-de-France. Et dans l'après-midi, on a eu quelques coups de tonnerre, quelques cumulus. Alors nous sommes actuellement sous des conditions anticycloniques qui nous protègent de ces perturbations, vous le voyez, dans l'ouest ou encore dans l'est du pays. Profitez-en, demain matin, nous allons retrouver un temps très calme avec un ciel un petit peu plus nuageux ici vers la plaine d'Alsace ou encore les Alpes du Sud. Quelques bandes de brouillard et de brume de la Gironde vers la Bourgogne. Et dans l'après-midi, on retrouvera ces quelques passages nuageux de la Champagne-Ardenne jusqu'au Poitou ou Charente et quelques brumes côtières ici vers la Gironde ou encore la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les températures du matin, des valeurs de saison, 5 degrés à Reims jusqu'à 14 degrés à Perpignan ou encore à Nice. Et dans l'après-midi, on est légèrement au-dessus des moyennes de saison, 22 à Paris, 24 degrés le long de la Garonne, 23 degrés à Lyon et jusqu'à 26 degrés du côté de Perpignan. Alors mercredi et jeudi, ce sont deux journées qui s'annoncent ensoleillées avec des températures au-dessus des moyennes de saison, mais à partir de vendredi, eh bien, on perd localement de 3 à 4 degrés. Jeudi, donc, très belle journée ensoleillée avant l'arrivée d'un ciel plus chargé ici par le nord-ouest, prémisse de cette perturbation qui arrive au cours de la nuit et que vous allez retrouver vendredi des Pyrénées vers l'Île-de-France avec des averses nombreuses, un petit peu plus d'éclaircies vers les frontières du nord-est, une moyenne de 18 degrés sur la moitié nord, 17 degrés dans le sud du pays. Samedi, on retrouve une France coupée en deux avec un temps beaucoup plus calme sur la moitié nord, des averses nombreuses attendues dans le sud du pays. À partir de dimanche, arrivée d'une nouvelle dégradation par le nord-ouest avec essentiellement un ciel nuageux. Demain, nous gagnons 2 minutes de soleil. Dans quelques instants, vous retrouvez à table. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2.